Si vous pensez que la boisson est trop épaisse, ajoutez plus de lait végétal ou d'eau. Buvez ce smoothie tous les jours à jeûne. Au cours des dernières décennies, l'espérance de vie moyenne a augmenté, entraînant une hausse de la population âgée de plus de 60 ans. Certaines personnes atteignent même 80 ans et, bien qu'elles semblent en bonne santé physique, elles souffrent presque toutes de problèmes de mémoire. Beaucoup, malheureusement, oublient non seulement des choses du passé, mais aussi des détails plus récents, comme ce qu'ils ont mangé à midi. Mais je parie que cela vous arrive aussi, n'est-ce pas? De nombreuses personnes ont des difficultés à penser rapidement et à se souvenir des faits. Cette usure mentale est naturelle, même si elle peut être évitée. Cela signifie que l'état de votre cerveau n'est pas forcément compatible avec votre âge officiel. Saviez-vous que certains problèmes peuvent vous faire paraître plus vieux de plusieurs années? Si un jeune prend les précautions nécessaires pour préserver sa mémoire, il aura très probablement un cerveau en bonne santé lorsqu'il sera vieux. La première étape consiste à surveiller son alimentation et à éviter la consommation excessive d'alcool et de drogues, comme la marijuana. Des problèmes tels que la schizophrénie, la bipolarité et le TA, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, entraînent un vieillissement prématuré du cerveau. Les scientifiques vous conseillent de commencer à traiter ces troubles le plus tôt possible. Une autre chose facile à faire est de jouer à des jeux interactifs tels que des jeux de société, des puzzles ou des jeux de mémoire. La lecture, l'écriture et l'écoute de musique classique vous aideront également à faire travailler votre cerveau. Tout comme votre corps, votre cerveau a également besoin d'exercices pour s'améliorer. Comment va votre mémoire? Avez-vous des difficultés à vous concentrer? Votre cerveau a peut-être besoin d'un peu plus d'énergie et de nutrition. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer une recette naturelle pour aider votre cerveau à rester actif. Elle est riche en nutriments et peut agir directement sur la santé cognitive, ce qui est formidable. Cette recette fait appel à la levure de bière et à l'avoine. La levure contient d'excellents niveaux de vitamines du complexe B. Toutes ces vitamines, ensemble, jouent un rôle important dans notre métabolisme cellulaire, la production d'énergie et l'exercice de notre cerveau. L'avoine est un excellent aliment pour le cerveau et peut être consommée comme bon vous semble. Elle contient de nombreuses protéines, des acides aminés, des graisses insaturées, des vitamines et des minéraux. Et, non seulement ils maintiennent votre cerveau en bonne santé, mais ils sont également bons pour votre cœur. Voici les ingrédients, un demi-banane, 2 pommes si elles sont biologiques, 4 cuillères à soupe d'avoine, 1 tasse de lait végétal, noix de coco, riz, sésame, tournesol ou amande, 1 cuillère à soupe de levure de bière. Instruction: laver les pommes, peler la banane et couper tous les fruits en rondelles. Une fois que c'est fait, mixez tous les ingrédients ensemble jusqu'à obtenir un mélange homogène. Si vous pensez que la boisson est trop épaisse, ajoutez plus de lait végétal ou d'eau. Buvez ce smoothie tous les jours à jeûne. Alors, qu'avez-vous pensé de cette recette? Si vous avez déjà réalisé cette recette, racontez-nous dans les commentaires. Vous aimez la vidéo? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.